Alors donc on a vu là donc le combat. Et donc on a vu Anthony qui s'est placé sur Kumikata de gaucher. Son adversaire ne se laissait pas impressionner, mais malheureusement sur une attaque de son adversaire, il s'est relâché et Anthony en a profité pour l'enchaîner sur un Osai Komi. D'accord. Et Anthony n'a pas manqué de lucidité. Il est à mon goût bien dans son judo. Malgré la journée d'organisation qu'il a dans les Exactement. Jambes. Exactement. C'est pas la journée top. D'organisation, c'est au moins la semaine. Oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'il est quand même un excellent combattant. Donc là, en théorie, ils vont laisser passer un peu de temps, j'imagine, entre son combat. Et le prochain, puisque il y a au moins 10 minutes sur les finales. Au moins 10 minutes parce qu'il doit récupérer. Ouais. Mais bon, ça ne saurait tarder. D'accord. Peut-être qu'il reste encore les places de 3 là. Ouais, de toute façon, ça va engager les places de 3. Hein, parce qu'il y a au moins tous les repêchages. Ouais. Je sais pas où ils en sont. Mais Marc, Jean-Michel et Anthony sont absolument remarquables. Ils ont passé, à mon avis, la moitié de leur semaine à préparer l'Euro Métropole Master. Marc, on a vu tout à l'heure, a priori subi la fatigue, mais néanmoins, il doit quand même pas être si mal placé que ça. Jean-Michel a fait deuxième, et Anthony est parti pour être en finale. Il a l'air bien parti pour être en finale. Voilà. D'ailleurs, il est tout de suite interviewé par les journalistes. Bah, je pense que c'est Nord-Éclair. Nord-Éclair, oui, ils ont été assez présents, je crois, sur la compétition. Ouais. Autant Karima d'ailleurs le partenaire principal il semble. Il est vraiment présent partout. Ok. Tu veux continuer ou bien? Ah bah on peut encore attendre que ce soit sa finale hein. Moi ouais. J'ai du temps. J'ai du temps puisque j'enchaîne avec le couscous derrière et donc ma voix. Ça marche. Bon, que je sois là ou en bas avec les potes, c'est pareil, là je vois, hein, c'est bien. Ok, super. Non, et puis ça peut être sympa pour Anthony, bah, c'est bien, ça lui fera un souvenir. Mais j'espère que j'arriverai à être à la hauteur. Donc là, tu es sur ce tapis-là, tapis Weo. Ok, non, bah... On en est où, là? Je vais peut-être aller récupérer mon sac parce qu'en fait il est resté, j'en ai pas pendant très longtemps. Non, d'accord. Il est resté dans le dojo et a priori à mon avis il n'y a plus personne derrière. Et j'ai peur que. Comme il y a tout dedans. Non mais ok, pas de problème. Aucun problème. Aucun souci. Excellent. Pas de chance. Thank you.
rien parler, t'as pas le micro. Tiens, prends le micro. Il a mis une boîte là ? Allez, vas-y. Voilà, bravo Marc. On l'avait pas stoppé. Marc vient de mettre une belle boîte. Il est content, ça lui fait un peu bien au moral. Ouais, j'imagine. Parce que jusque là, c'est un petit peu dur. Mais il est capable d'aller chercher à la place de 3. Bon, ça veut dire qu'il sera sur le podium donc. Ah, s'il a la place de 3, s'il gagne, ouais. Il sera sur le podium. Il peut le faire. Bah, celui-là ou celui-là. Bah là c'était là, voilà, voilà, peu importe. Hein. Là-bas William Maté, ouais. Ça peut être William Maté, ouais, c'est pas mal. Allez, je pense que c'est même d'ailleurs pratiquement une finale là-bas. William a été champion du monde, si j'ai bonne mémoire. William qui est le. Qui est celui qui est le dos, donc le français, en ceinture face c'est rouge. Un belge. Voilà, ceinture blanche, William. Ceinture blanche, pardon. Donc il a pas de ceinture, hein. L'autre a une ceinture rouge. Okay. Et William est le responsable au niveau de la Commission nationale des vétérans de la ranking list, c'est-à-dire du classement des vétérans. Des vétérans, exact. Bon, si tant est que le classement soit nécessaire. Bon. Ça veut dire qu'il y a encore de la discussion à ce sujet. Oui, je pense qu'on peut en discuter. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut ouvrir à tout le monde ? Est-ce qu'il est important que tout le monde soit présent sur le tapis ? Que tous les vétérans qui ont envie de s'opposer à des gens forts ou moins forts soient présents ? Moi, je pense que oui. Ouais. Qu'ensuite on soit qu'on trouve l'utilité, la nécessité de les classer pour participer au championnat d'Europe ou au championnat du monde, je sais pas, parce que je pense que c'est avant tout du ressort du sport loisir que du sport de compétition. Bon voilà, c'est un avis. Moi je pense que la compétition, l'opposition fait partie de notre sport, le judo. Mm-hmm. De là à ce qu'elle devienne sélective, hyper sélective sur des gens de notre âge, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans la philosophie du vétéran. D'accord. Donc on va encore en entendre parler. C'est une question, voilà, c'est une question d'état d'esprit. Alors après, moi, je suis ouvert à tout. Hein. Si la majorité souhaite qu'il y ait des sélections, que tout soit sélectif, pourquoi pas. Mais je pense qu'on n'aura jamais de Jeux Olympiques des vétérans. Et si tel devait être le cas, à mon avis, il suffirait que les anciens qui l'ont été reviennent pour que les choses se clarifient très rapidement. Et je pense que ce ne serait pas forcément si intéressant que ça pour tout le monde. D'accord. On a aujourd'hui quelqu'un comme Nakamura qui s'est exprimé tout à l'heure, je crois, en M1 ou en M2. Il a montré ce qu'était le judo. Et que judo. Il a montré également qu'un Japonais qui a été champion du monde, il est largement, largement au-dessus du lot. Alors si demain il venait une dizaine de champions du monde, et voilà, et ben voilà. On a donc Anthony face à l'Italien. Donc ça c'est la. Donc voilà, la finale. C'est on va dire la revanche de la finale du championnat d'Europe, je crois 2008. Et c'était à Sindelfingen. Et donc là ils sont en quelle catégorie donc ? Et ils sont en moins de 81. Si Anthony n'a pas pris de poids, normalement c'est 81. D'accord. Alors j'ai croisé Anthony tout à l'heure dans les couloirs qui se concentrait sur ses combats et il me disait je suis là essentiellement pour m'amuser. C'est peut-être ce qui fait que j'ai pas la pression et que j'arrive à m'exprimer. Oui, mais Anthony, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui aime gagner, qui gagne souvent. Il laissera rien son adversaire. Ah, sans aucun doute, sans aucun doute. Arrive en finale, ça démontre quand même une sacrée volonté de vouloir gagner quand même. Hein. Ah, ça c'est sûr. Anthony est à pour l'instant, je dirais que à partir de la deuxième minute, Anthony commence à prendre la mesure de son adversaire. Et c'est de bon augure. Et on voit qu'il va le chercher. Hein. Voilà, il a changé son kumikata. Et attention. Le kumikata, c'est la saisie. D'accord. Et a priori, il semble avoir trouvé... on va dire l'ouverture. Ce kumikata gêne énormément l'Italien. Et c'est pas le kumikata habituel d'Anthony. Ah oui, il vient le chercher sur l'épaule. En voilà, il vient le chercher sur le côté gauche. Alors que d'habitude, il se met toujours en gaucher. D'accord. Et là, il attaque directement le côté gauche de l'Italien.
au lieu de passer par le côté droit. D'accord. Et ça le gêne énormément. Enfin, ça gêne énormément l'Italien. Ouais, on voit qu'il est. Ouais, on voit que voilà. L'expression n'est pas la même. Hein. Voilà, exactement. Pour l'instant, il subit et à mon avis, il est très proche de prendre une pénalité, l'Italien. Voilà, pour moi, je l'aurais déjà mise là. Là, il mérite une pénalité pour non-combativité. Oui, oui, d'accord. Voilà, Maté, et je crois qu'il faut la mettre. Parce que c'est la pénalité gratuite. Et là. Je ne fais pas de commentaire sur l'arbitrage. Mais je pense que. Voilà. Et là, ça aurait dû être. Ça devrait être la deuxième. Ah. Et Anthony devrait être devant. Alors, je pense que là, il va en prendre une pour non-combativité. Ah, non, c'est absolument pas bien. Mon copain qui arbitre, là, comme une petite erreur. Et là, Anthony a compris comment il fallait prendre. Oh, joli. Ouais, ouais. L'Italien subit, mais Anthony a compris l'ouverture. Il a trouvé le bon kumikata. On voit, oui, effectivement, que c'est tout à fait gênant pour l'Italien et, ouais, et ça le bride complètement dans son, voilà, dans sa face, dans son, voilà, judo. Et là, l'Italien ne fait rien. L'Italien mérite une pénalité, là, c'est clair. Il attend l'action, c'est clair. Voilà, et oui, mais il attend, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il ne considère pas justement. Bon, il faut qu'il se méfie, Anthony, parce que quand il est sur ce kumikata, il est un peu en croisé. Ce serait dommage qu'il soit sanctionné. Mais là, les pénalités ne tombent pas, là, les gars. Ah, bah oui, il sortit le tapis, et pourquoi? Bah oui. Mais enfin, en voilà une. Voilà. Ouais. Ouais, c'est normal. L'Italien ne lâchera rien. Mais Anthony a la mesure du combat. Alors, ça va se terminer sur les pénalités, mais là, l'Italien. L'Italien est complètement dominé. Il reste 20 secondes. Anthony de match. A pris à la mesure de son adversaire. Mais non, mais oui, peut-être qu'il est en croisé, mais l'Italien ne fait rien. Ah, il le maîtrise. Hein. Alors, et Anthony attaque de toute façon quand il est en croisé. Ouais. C'est vraiment très très stratégique. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Bon, là, à mon avis, ils méritent tous les deux une pénalité. Là, c'est pas bien, ça va aller. À moins que ce soit la finale, mais bon. C'est bien les laisser s'exprimer entre eux, mais la règle, c'est la règle. Donc on est reparti pour 2 minutes, puisque la pénalité était gratuite. D'accord. Elle reste au tableau de marquage. Et à la prochaine pénalité, l'Italien a perdu. Donc là, Anthony devrait attaquer, parce que là, ni l'un ni l'autre n'attaque. Ouais, ils attendent. Moi, Maté, c'est non-combativité pour tous les deux. Et Anthony a gagné. Et bien sûr. C'est vrai qu'il est en croisé. Mais ceci dit, il n'attaque pas, donc il fallait. Là, il faut sanctionner de côté, on est d'accord. Mais. Les deux attendent que le chronomètre. Et défile, si en fait, on sanctionne des deux côtés, c'est fini. Oui, puisque l'Italien prendra donc une deuxième pénalité qui, et voilà, qui mettra Yuko, qui donnera Yuko à Anthony. Alors on va voir. En tout cas, ça soumet l'arbitrage à une certaine réflexion. Et sur ce coup-là, il n'y a rien. On va voir ça. Ah là, cette fois-ci, Anthony attaque. Et effectivement, le kumikata gêne énormément l'Italien. L'Italien ne peut pas s'exprimer. Il joue énormément dessus. Anthony attaque. Ouais. Et je pense que la pénalité doit tomber. On va quand même pas aller au bout du golden pour les départager. Ah là 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 là! Ah, c'est absolument pas normal sur la configuration du combat, l'Italien aurait dû être sanctionné bien avant. Là, Anthony prend Yuko, mais. Cela dit, le geste est magnifique. On est d'accord, mais il aurait même normalement pas dû arriver. Bon, c'est ainsi. Anthony le prend bien, c'est un grand combattant. Autant physiquement que mentalement. Exactement. Oui, bel esprit. Bon, ben, c'était la finale, a priori. Oui, Anthony fait 2. Voilà. Bon, magnifique. Merci encore. De rien. Bon, j'espère que ça va, l'exercice t'a plu?
Ouais. Parce que je me disais que j'avais filmé ces deux autres combats auparavant. Ouais. Mais que j'ai pas de commentaire dessus. Ah oui. Est-ce que si je te, si j'arrive à te joindre avec un DVD quelconque, oui, en le visionnant nous sur une table, sur un ordinateur portable, oui, est-ce que tu pourrais le commenter? De toute façon, est-ce que je l'enregistre? On peut se prendre un rendez-vous au comité. Quand je suis au comité nord, si tu veux, on peut se prendre un rendez-vous puis on le recommande. Ouais. J'ai des combats qui durent 7 à 8 minutes, on y passera un quart d'heure et puis ouais, voilà. Ouais, si tu veux. Et c'est quand tu dis quand je serai au comité, c'est... Au comité nord à Villeneuve-d'Ascq. Tu es de où, toi? Moi, je suis de Lille. Ah, ouais, non, ça va très bien, mais voilà, je ne sais pas du tout où ça c'est va. Où à Villeneuve-d'Ascq? C'est à la zone des prés, c'est ici pas très loin, hein. C'est à la zone des prés. Tu vois, à côté de là, il y a la gendarmerie, la troupe de gendarmerie. Là. Ouais. Bah, le truc là, juste allez, à 500 mètres de là. Quoi. D'accord. Plus vers Décathlon ou en avant? La maison Décathlon. Décathlon, alors quand on est à la, il y a la gendarmerie qui est là, on comprend, ouais, là, ouais, la gendarmerie qui est là, Décathlon qui est là-bas, ouais, nous on est juste ici au-dessus, à la zone des prêts, c'est à la maison départementale du sport, c'est indiqué, il y a un panneau, d'accord, maison départementale du sport, d'accord, pas de soucis, ça juste marche. En face de la société Sedge, d'accord, Sedge s'est installé là également, on est là juste tout près. Dis-moi, alors je vais te prendre, là, prends mon portable, moi j'y suis souvent, je vais y être mardi dans la soirée, aux alentours de 18h30 parce qu'il y a comité directeur. Benjamin Carr, si avec mon reportage. Et donc, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Philippe. Et Jean-Philippe. Jean-Michel, c'est mon frère. Désolé. Jean-Philippe, comment? Parent. RLD 06 07 96 03 46. Et j'y suis mardi. Donc, si jamais il faut, je viens de demi.